일단 제가 짧게 저희 그 필리겔의 회고전과 또 필리겔의 찬란한 절망이라는 이름의 전시에 대해서 짧게 소개해드리면은 11월 25일에 저희 프로그램이 오픈했고요. 이 전시와 상영은 내년 2월 28일까지 계속됩니다. 16편의 필리겔 감독님의 작품이 상영되고요. 그리고 3편의 작품이 전시 형태로 전시실 7과 미디어랩에서 소개되니까 혹시 마스터 클래스만 생각하시고 오시고 전시에 대해서 좀 모르시는 분이 계시거나 한다면은 꼭 전시도 상영과 함께 보시기를 소개해드리고요. 일단 저희 오늘 마스터 클래스에 와주신 관객 여러분들 감사드리고요. 저희 오늘 마스터 클래스에 사회자분 그리고 패널분들 그리고 가래 감독님을 제가 잠깐 소개해 드리겠습니다. 일단 오늘 사회는 필립 아주리 영화평론가 분이 맡아주실 겁니다. 필립 아주리 소개해 드릴게요. 필립 아주리 씨는 리베라시옹이라는 이제 그 신문 매체부터 시작해서 굉장히 많은 매체의 여러 형태의 글을 기고하셨고요. 특히 필립가레 감독님에 관한 책을 2013년에 출판하셨습니다. 그래서 필립가레 감독님 외에도 다양한 글쓰기를 하고 계시는 활발한 그 저술 활동을 하고 계시는 분이시고요. 가레 감독님에 관한 책을 쓴 만큼 보다 심도 깊은 질문을 할 수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 두 분의 패널 분들이 방문하셨는데요. 일단 제키 레이나릴 감독님을 소개해드리겠습니다. 제키 레이나. 제키 레이날 감독님은 1960년대 후반부터 해서 70년대 초반까지 가렐 감독님과 함께 잔지바라는 그룹을 결성해서 굉장히 자유롭고 실험적인 그런 작품 활동을 함께했던 동료이자 또 집중, 라콩송 트라스용이라는 영화의 편집을 하시기도 했습니다. 그 외에도 뭐 에리코 메르 감독님의 영화도 편집하셨고 또 본인의 작품 활동도 지금까지도 꾸준히 하고 계십니다. 가렐 감독님과 굉장히 젊은 시절을 함께 했었기 때문에 들려주실 얘기들이 많을 거라고 생각합니다. 그 다음에 또 한 분의 패널 분을 소개해 드릴게요. 제랄드 구황 감독님은 네, 부탁드릴게요. 모토 플라스입니다. 저희 그 전시실 보면 아카이브 전시에 그 아이패드에 텍스트가 두 개가 실려 있는데 그게 이제 1975년하고 79년에 딘유라는 그 프랑스의 한 지방에서 있었던 가렐 감독님이 관객들과 가졌던 그런 대화의 그 내용이거든요. 근데 이 인터뷰, 이 대화의 내용들을 촬영하시고 녹음하시고 직접 하셨었어요. 그래서 그리고 시네마통이라는 문화예술인들의 초상화라고 할까요? 이런 그 수많은 초상화들을, 짧은 초상화들을 그 연결해서 지금까지도 그 작업을 하고 있어요. 또 그 외에도 굉장히 시도 쓰시고 또 그러니까 영화평론도 하시는 다양한 활동을 하고 계십니다. 저는 짧게만 소개해 드릴게요. 더 자세한 혹시 궁금한 그런 부분들은 저희 필립 아주리 평론가가 아마 더 소개해 드릴 것 같고요. 그 다음에 제가 아마 설명이 필요 없을 것 같아요. 오늘 마스터클래스의 주인공이죠. 예, 필립 가렐 감독님을 소개하겠습니다. 박수 부탁드릴게요. 그러면 마스터 클래스를 시작하겠습니다. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je ne sais plus quelle heure il est. un peu jetlagué comme nous sommes. Puisque je suis le premier à prendre la parole, je pense que c'est à moi que revient
la mission de remercier d'abord Rouni et puis bien sûr le Musée d'Art Moderne de nous recevoir, tous autant que nous sommes ici, de le remercier de cette incroyable rétrospective Philippe Garrel qui s'est ouverte, vous le savez, puisque je vous vois si nombreux, il y a bientôt 3 semaines, ou plus de 3 semaines, et aussi la tout aussi incroyable exposition qui se tient dans l'aile gauche, je crois, du musée que nous avons découvert en début d'après-midi et qui est absolument formidable. Il me revient aussi, en tout cas il revient à moi, de vous présenter mes intervenants, enfin mes colistiers, je ne sais pas comment les appeler. La première d'entre elles se nomme Jackie Reynal. Jackie tu as été la monteuse de certains films d'Éric Rohmer à la fin des années 60. Tu as participé plus qu'activement à ce collectif ou ce groupe, on en parlera, qui s'appelait Zanzibar, et parmi lesquels tu avais aussi à l'intérieur de ce groupe Philippe Garrel qui faisait aussi ses films. Tu as réalisé à l'intérieur de ce collectif Zanzibar un film absolument incroyable et magnifique qui s'appelle Deux fois. C'était en quelle année ça, Jackie ? Oui, c'était en 68, septembre. 1968, on en reparlera aussi tout à l'heure. Et tu as ensuite vécu à New York, où tu as tenu des salles de cinéma, à l'intérieur desquelles tu as fait aussi des rétrospectives, tu as présenté au public new-yorkais et américain les premières rétrospectives de Philippe Garrel. Il est en train de filmer, il a une écharpe rouge, et il s'appelle Gérard Courant. Gérard a interviewé, tenu la chronique des sorties à la fois à l'époque expérimentale et chaotique des films de Philippe Garrel dans les années 70. Gérard a également réalisé un magnifique livre d'entretien, moi qui m'est très très cher, j'y reviendrai, au début des années 80 avec Philippe Garrel, qui est un des livres les plus prodigieux, de toute l'édition cinématographique. Et Gérard, comme on le voit, est un cinéaste infatigable, impénitent, qui ne cesse jamais, même à l'intérieur d'une table ronde, de nous filmer, puisqu'il tient depuis... quelle année déjà, Gérard, les cinématons ? Voilà, c'est là. Les cinématons ont été commencés au début de l'année 1978. 78, donc. Et jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je filme en ce moment, ça fait partie des carnets filmés, c'est une sorte de journal que je tiens depuis que je fais du cinéma, au milieu des années 70. Donc voilà, nous participons... Donc vous êtes filmé. Vous êtes filmé, nous sommes filmés et nous participons tous de l'œuvre infinie et en cours de Gérard Courant. J'en vois certains faire coucou. C'est traduit simultanément ? Oui. Et puis au centre voilà, de cette agora, je ne sais comment l'appeler, Philippe Garrel, qui est au cœur de cette rétrospective, qui tient depuis le milieu des années 60, depuis son adolescence, jusqu'à aujourd'hui. C'est même plus la peine de dire l'une des œuvres majeures de l'histoire du cinéma français, puisque aujourd'hui, c'est l'œuvre de Garrel est à la fois... On peut dire évidemment très très belle, intense, vibrante, brûlante, dure parfois, passionnée toujours, mais c'est plus que ça, c'est le cas unique que représente Philippe Garrel aujourd'hui dans toute l'histoire du cinéma, qu'il soit français ou mondial, de quelqu'un qui fait du cinéma depuis l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui. Le dernier film de Philippe Garrel, L'ombre des femmes, a été présenté à Cannes au mois de mai, il est sorti à Paris... dans la foulée, la semaine même. Film magnifique. Film absolument magnifique, Jackie a raison de le signaler, et film dont les best-of des critiques tombent les uns après les autres là, depuis quelques jours. Et le film de Philippe est évidemment dans la liste des 10 meilleurs films de l'année. Preuve, s'il en fallait une, que c'est une œuvre qui est en cours, qui est en vie, qui est d'une modernité, qui n'a jamais déçu, c'est parce que ça qui est hallucinant,
1964, tes premiers essais filmés, jusqu'à aujourd'hui, 2015, et à venir, puisque je crois que tu tournes au mois de juin ton prochain film, Philippe. Voilà une œuvre qui nous accompagne, enfin qui accompagne le cinéma. Donc voilà, nous voilà tous réunis, mais on va essayer de, je pense certains d'entre vous, puisque je vois nombreux, j'imagine, étaient déjà là depuis 3 semaines, on commençait à se balader dans l'œuvre de Philippe Garrel. Peut-être certains d'entre vous vont aujourd'hui avoir leur premier contact avec cette œuvre-là. On va essayer d'être le plus clair, le plus didactique possible, essayer de vous dire en quoi cette œuvre a ce caractère unique, et puis surtout on a la chance de pouvoir non seulement entendre Jackie, Gérard, qui sont des gens qui accompagnent Philippe depuis des décennies, mais également d'avoir la parole rare et toujours passionnante et toujours surprenante de Philippe, qui nous fait l'honneur d'être ici. Moi, c'est aussi un moment un peu particulier, parce que je ne connaissais pas Gérard Courant, enfin, on ne s'était jamais rencontré avant de prendre l'avion ensemble hier après-midi, et je dois pourtant à Gérard une dette incroyable. Sans lui, je pense que je ne serais pas assis là avec vous, puisqu'il y a, à la fin des années 80, je devais avoir, je ne sais plus, 15 ans, 16 ans, un jour, dans un marché Opus, alors que j'achetais des revues de cinéma, des vieux numéros des cahiers du cinéma, le vendeur m'a fait un cadeau, m'a dit « Écoute, ça devrait t'intéresser, je commence à comprendre un peu tes goûts, tu devrais lire ça ». Et ça, c'était ce livre que Gérard Courant, ici présent, a consacré à Philippe Garrel. Livre qui était déjà devenu rare, introuvable, enfin vraiment très très difficile. Les livres qui est exposé ici, parmi les documents qui sont dans l'exposition Garrel. C'était un dimanche matin, le dimanche après-midi, j'ai commencé à lire. C'était un livre d'entretien, de questions-réponses. J'ai commencé à lire cet entretien, je n'avais jamais entendu parler de Philippe Garrel, absolument jamais. J'avais 16 ans, 17 ans. Et lorsqu'à la fin de ce dimanche après-midi-là, j'ai terminé, j'ai refermé le livre, je l'avais lu en entier d'une traite. Philippe Garrel était mon cinéaste préféré. Et je n'avais pas encore vu ses films. Ça n'a fait que s'aggraver avec le temps, les voyant tous progressivement. Pourquoi qu'est-ce qui a fait ce choc à la lecture de ce magnifique livre d'entretien de Gérard avec Philippe? Je ne sais pas, c'est à la fois si j'essaye de remuer, de faire remonter mes souvenirs. Je pense que j'y ai découvert, j'ai appelé ça dans le livre que j'ai consacré plus tard, il y a 3 ans, à Philippe, une morale cinématographique, mais le mot morale est un peu dur. C'était beaucoup plus sensuel et beaucoup plus fantasmatique que ça, je pense. Il y avait d'une part la vie de Philippe. Je découvrais la vie de quelqu'un qui avait commencé à faire du cinéma. Moi, j'avais 16 ans, 16-17 ans lorsque j'ai lu ça. Je découvre que Philippe, à mon âge, fait déjà des films. Et puis je vois, au fur et à mesure que je lis ses entretiens, quelqu'un qui traverse mes 68, ce qui a été la rupture, l'électrochoc qui a été mes 68 en France pour une génération, qu'il l'a non seulement traversé, mais qu'il l'a aussi annoncé dès 67. Marie pour mémoire, le premier long métrage de Philippe, est prophétique à plus d'un tour sur ce que va être mes 68. Et puis, dans ce livre de Gérard avec Philippe, on traverse toutes les années 70, et j'entends parler quasiment pour la première fois de ma vie d'une autre manière de faire du cinéma, qui n'est pas l'industrie. J'entends parler de quelqu'un qui fait du cinéma sans économie, sans moyens, sans équipe, qui fait du cinéma absolument seul. Philippe avait était lui-même derrière la caméra, il était son propre chef opérateur. Et il faisait des films avec ses amis ou ses amours, parmi lesquels quelqu'un dont je connaissais déjà les disques, qui s'appelait Nico. Nico qui avait été la chanteuse du Velvet Underground, qui ensuite avait signé parmi les plus beaux disques des années 70 et du début des années 80. Et voilà, j'avais un pan comme ça de cette musique qui me fascinait. Je m'apercevais qu'elle reliait le cinéma, elle reliait aussi la vie. Et tout ça me bouleversait. Et puis voilà, entre-temps, le livre de Gérard et Philippe s'arrête en 82, hein, si c'est ça, 81 même. C'est à l'entre-deux-tours, je pense, des élections présidentielles. C'est
Pardon, le micro, cher. Les entretiens sont de mai-juin 1982. 82, oui. C'est un moment où l'enfant secret n'est pas encore sorti. Je crois qu'on ne t'entend pas. Il faut essayer de vérifier si tu es allumé. Voilà. Ouais. Donc, c'était les entretiens en mai et juin 1982. Et c'était au moment où l'enfant secret n'était pas encore sorti en salle. Il était toujours coincé au laboratoire. Et ensuite, l'enfant secret dont parlait Gérard est aussi un autre tournant dans l'histoire dans la filmographie de Philippe, puisque c'est le moment où il est revenu après 10 ans d'underground, il est revenu à la narration, a recommencé un cinéma narratif, mais qui est tout sauf un cinéma naturaliste. Ça aussi, on en reparlera, le refus du naturalisme. Et comment ce cinéma a gardé l'intensité de l'underground tout en recommençant à travailler avec des personnages, avec un scénario, avec des dialogues, et on verra aussi comment. Je trouve que voilà, si aujourd'hui on est encore là, admiratif devant l'œuvre vivante et en cours, à se voir qu'il progresse infini, qu'est l'œuvre de Philippe Garrel, c'est aussi parce que en mariant l'underground des années 70 et la façon dont il a su modifier, redessiner cet underground dans un grand moment de modernité à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui, je trouve que Philippe a redessiné complètement le cinéma de chambre, le cinéma, on va dire, la part romanesque ou romantique qui est propre au cinéma français. Il a gardé cette matière-là, qui vient avant le cinéma, enfin qui commence avec Flaubert, on pourrait dire peut-être, en tout cas avec la littérature, ou même la peinture, et avec les romantiques. Et cette part-là, qui est propre, en tout cas, à l'histoire française du cinéma, il lui a donné une autre mesure, ou une des mesures, il lui a donné une intensité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est aussi ça, voilà, si aujourd'hui je devais rassembler les quelques points qui font qu'à mes yeux, je le dis en sa présence à côté de moi, enfin, voilà, Philippe Garrel est l'œuvre, l'une des œuvres. Pour moi, enfin, je ne vais pas dire l'une des œuvres, parce que je serais mentir, pour moi, c'est l'œuvre la plus importante à l'intérieur du cinéma français. Voilà, par tous ses aspects, parce que c'est quelqu'un qui a filmé le visage comme un film un paysage, qui a créé ce qu'un critique français, en pleine année 68, Jean Marboni, avait créé des zones d'intensité. C'était quoi, des ZIS, tu te souviens de ça? Je ne sais plus, je l'ai noté, j'adore cette phrase, j'essaie de retrouver ça. Des zones intenses de stupeur, c'est Narboni qui avait écrit ça sur toi, et ça reste valable. C'est avoir des plans qui, chez Garrel, d'un coup, brûlent tout, dépassent... À l'époque, c'était des zones intenses de stupeur, maintenant on en est à désespoir éblouissant. Qu'est-ce que tu préfères, toi, Philippe? Le désespoir éblouissant ou la stupeur intense? Non, je voulais dire ça, en prenant ça comme juste trace inconsciente de langage, désespoir éblouissant. Si on, à l'époque où il écrit ça, Jean Eustache s'est pas suicidé, Chantal Akerman s'est pas suicidé, et quand je dis désespoir éblouissant, je pense tout de suite à ça. Au suicide de Chantal d'il y a... Il y a 2 mois. Il y a quelques... Un mois et demi. Un mois et demi. Et, mais ça serait intéressant pour commencer si on essayait de dire, Philippe, des choses qui n'ont pas déjà été dites. Oui. Et justement, par rapport... parce qu'on n'a jamais vu un auteur de la Nouvelle Vague se suicider, par exemple. Non, Truffaut est mort de maladie, Godard heureusement est encore en vie, et si Rivette est en vie, Romère est mort de vieillesse. Voilà, je pense que peut-être c'est le signe qu'ils mourront tous de vieillesse, mais si on regarde leurs films comparés aux nôtres qui sommes en fait leurs disciples... Oui, quand tu dis les nôtres, c'est ta génération qui est venue après la Nouvelle Vague. Eustache et Akerman, pour prendre les deux, par exemple. Si on regarde... leur cinéma, il y a une chose qu'ils ont gardée du cinéma qui existait avant eux, quand même, c'est la pulsion de meurtre, quand même, parce qu'il y a des meurtres dans leurs films. Si on prend Bande à part, si on prend
Dans les films de la Nouvelle Vague. Hein, oui, les films de la Nouvelle Vague, si on prend La Peau Douce, tout ça, il y a des meurtres. La Peau Douce de Truffaut, Bande à part de Godard, voilà. Il y a des meurtres. Et si on regarde les films de Jean Eustache, par exemple, ou les films de Chantal Akerman, ou les miens, il n'y a pas de meurtre. Non, jamais de meurtre. Ce qu'il y a en commun, on pourrait dire, c'est des maîtresses et des amants, quoi. Par rapport à la Nouvelle Vague. On a dû garder ça parce que c'est quelque chose qui est propre au cinéma. Il y a une tradition française, tu penses, de ça, du cinéma de chambre, enfin de... Oui, non, mais je pense même nous-mêmes, sans, faut pas se mettre différent que le spectateur. Dès qu'un homme ou une femme trahit au cinéma son conjoint, crac, il y a une phase de captation d'intérêt, et il y avait dans le cinéma, quand un homme sort un pistolet, ouais, et tue, pareil, il y a, enfin, moi déjà, ça me capte beaucoup moins, ça captive beaucoup moins mon attention, mais on pourrait dire que le cinéma, si on prend qu'il y a 120 ans, il met beaucoup en scène pour nous captiver le meurtre et la trahison. Ouais. La trahison amoureuse et le meurtre. Et dans le cinéma qui a des disciples de la Nouvelle Vague, alors, par exemple de Chantal, si vous prenez Jeanne Dielman, ou si vous prenez Eustache, La Maman et la Putain, il n'y a pas de meurtre. Et on ne voit pas comment le meurtre pourrait intervenir là-dedans. Il y a une question de réel qui est approchée, qui fait qu'on a évacué le meurtre. Il n'y a plus d'intrigue policière. Ce qui est intéressant, c'est les rapports entre les êtres, l'amour et la trahison. Voilà. Mais peut-être qu'à cause de cette évacuation de la mort, de la pulsion de mort, il y a le retour du suicide. Et il y a déjà quelque chose comme une allusion constante ou on pourrait dire littérale, de la question du suicide. Et donc, tout en étant un mouvement beaucoup moins important que la Nouvelle Vague, en termes économiques, tu veux dire. Quelque part, il y a quelque chose qui arrive, qui est propre à notre génération, qui est que la mort, on a le droit de la donner à soi, mais on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Oui, ça, je comprends. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas vécu la guerre, c'est parce que notre morale ne peut pas inclure le meurtre comme un acte bénéfique. Oui. Ou, mais sauf que, effectivement, c'est quelque chose qui est plus... C'est pour ça que je parlais de conduite inconsciente. C'est un peu pareil que l'organisatrice de cette exposition qui appelle ça... Dazzling Despair. Voilà. Désespoir éblouissant. Il y a quelque chose qui a trait à la question du suicide et que... Quand Chantal s'est suicidée, tout de suite, ça m'a fait penser à Eustache, et tout de suite, ça m'a fait penser à notre mouvement, ce qu'il a de différent, comme les romantiques par rapport aux classiques, si on prend en littérature, c'est-à-dire qui ramène la pulsion de mort et le suicide, les romantiques, par rapport aux classiques. Et donc, c'est comme... c'est quelque chose qui nous colle au basque, on pourrait dire, parce que c'est pas quelque chose qu'on a décidé, c'est quelque chose qui est apparu inconsciemment, que la question de la liberté de se supprimer comme acte. Parce que si on voit Chantal, par exemple, je pense qu'elle ne l'a pas fait pour mettre un point final à son œuvre. Mais elle a forcément, au moment où elle a décidé de le faire, elle a forcément pensé, et d'autre part, ça mettra un point final à mon œuvre. Et il n'y a que les artistes romantiques. Enfin, ils sont portés par une vision romantique. Voilà. Peuvent considérer que le suicide aurait mis un point final à une œuvre d'art. Et donc, c'est là où moi, j'essayais de parler d'abord, là où je me trouve moi... Aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ces jours-ci et ces semaines-ci, c'est qu'est-ce que c'est, on disait, le cinéma après la Nouvelle Vague. Et parce que très longtemps, le cinéma est dans encore la plupart des livres. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en cinéma parmi vous. La plupart des livres de l'histoire du cinéma se finissent à la Nouvelle Vague. Pour l'instant, on considère qu'au-delà de la Nouvelle Vague, il n'y a rien. Et, il y a quand même 60 ans alors, oui, des poussières. Alors qu'il y,
y a le cinéma de Stache, le cinéma de Chantal et tout, et c'est quelque chose qui, même si on est disciple d'un mouvement qui est plus puissant que nous, qui est aussi important que la Nouvelle Vague, c'est comme les impressionnistes en peinture, c'est un mouvement qui a fait le tour du monde, qui s'est affirmé comme une manière absolue de faire des films par rapport à Hollywood et tout, et qui a égalé Hollywood. Il y a quelque chose derrière, après la Nouvelle Vague, le cinéma depuis la Nouvelle Vague, ça c'est l'histoire qui nous intéresse, nous. Et j'en parlais, comme une histoire qui nous échappe aussi, parce que c'est quelque part, ça n'existe pas, un inconscient de génération, mais on pourrait se faire comprendre comme ça, d'une manière un peu... En disant que le suicide est un peu la part noire, et la part noire de votre, le prix à payer de votre romantisme, quand je dis votre, c'est celui de Stache, celui d'Ackermann, celui de ta génération. Est-ce que c'est aussi dire qu'il y avait une mélancolie à l'intérieur de ces jeunes gens qui ont commencé à faire du cinéma très jeune? Chantal a commencé à 18 ans, toi tu as commencé à 14-15 ans, Stache un peu plus tard, 25 ans, mais est-ce qu'il y avait déjà une sorte de une mélancolie de venir après justement les coups de force de Truffaut, le coup de force de Godard, qui était venu avec une telle puissance de feu lorsqu'ils ont... Est-ce que vous, le fait d'arriver après a induit cette... Je ne sais pas si c'est une mélancolie ou un sentiment de solitude ou quelque chose comme ça, de l'idée qu'on va être dans la marge déjà, qu'on va être dans une part, et qu'il va falloir assumer des choses plus dures, que la vie de cinéaste, ça ne va pas être forcément... ça va être une vie d'artiste au sens romantique du terme, c'est-à-dire pas toujours très simple. Je ne sais pas, franchement... Tu ne saurais pas dire. Non, je ne saurais pas dire. Parce que de toute façon, comme le cinéma, on dit aussi, est un langage... ce qu'on met dans les films et à la surface des films est moitié du domaine de l'inconscient, moitié du domaine conscient. Et donc, on n'a pas autorité tant que ça au sens du sens de ce qu'on dit dans nos films. Et je pense que pareil, tous les gens que ça commence à captiver autour du monde, justement, la maman à la putain, ou la disparition de Chantal et tout, n'ont pas non plus la conscience de pourquoi ça les intéresse, oui. De regarder ces films plutôt que de revoir À bout de souffle. Ou... Oui, oui. Et je donc, sais, c'est ce que j'essaie de dire. Je ne sais pas pourquoi depuis bientôt 30 ans, enfin, je suis attiré par ton cinéma. Et par celui de Chantal, et par celui de Stache. Enfin, pour moi, c'est un groupe, quasiment. C'est très dur pour moi de mettre un nom. Je sais que c'est là que je vais, quoi. C'est mon espace de cinéma. Je pense que Gérard sera d'accord, Jackie sera d'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas, parce que c'est l'inconscient qu'il y a dans vos films, peut-être, qui nous attire là. Et tu sais que, là, Philippe parlait des suicides... Dans la Nouvelle Vague, il y a eu une tentative de suicide d'un metteur en scène de la Nouvelle Vague. Godard. Ben Godard. Et c'est tombé au moment où il s'est séparé avec Anne Jasenski. C'est au moment où il était dans son impasse, où il faisait les films du groupe Vertov. Et ça s'est... Vraiment, il a été sauvé d'extrême justesse. Et c'est tombé sur Godard. C'est pas tombé sur Truffaut ou Romer. C'est, comme par hasard, c'est sur Godard. Je sais pas ce que... Toi, comment tu... Non, je sais. Non, on ne peut pas parler de toute façon du suicide au sens... Lui donner une explication, tu veux dire. Oui, c'est très compliqué de savoir si on se demandait pourquoi Eustache, c'est à la fois être en échec sur un plan intime et personnel, ce qui ne nous regarde pas, parce que moi j'ai horreur des gens qui tentent de savoir la vie intime des artistes quand ils admirent ou comprennent l'œuvre d'un artiste. Je trouve que c'est une part qui n'y a pas à être éclairée. Mais par contre, il y a forcément une part du succès de ces films. Et comment c'est vécu? Est-ce que c'est vécu comme quelque chose et c'est quand même... C'est dommage que La Maman et la Putain soit consacrée pas au moment de sa sortie, mais des années après. Apparemment pareil pour Jacques Nielman, c'est-à-dire c'est un cinéma quand même qui n'est pas,
n'est pas vainqueur au présent, quand les films sont fabriqués, quand ils sortent, etc. et tout, ça ne fait pas un mouvement de vie visible dans les cités ou dans les pays où ça sort, comme a fait la nouvelle vague. C'est en ça que je pense que... C'est en ça que vous avez peut-être eu une mélancolie immédiate, c'est-à-dire ah, oui, c'est ça que t'as appelé. Les films sont sortis. Oui. Oui. Et sans être de grands succès, parfois même ne sortaient pas. Oui. Certains de tes films ont mis énormément de temps à sortir. Oui. Et pourtant aujourd'hui, si on regarde les box-office de l'époque, les films qui marchaient ont été complètement oubliés. Oui. Tes films, ceux de Stache, ceux de Chantal, Ackerman, c'est ça qui reste aujourd'hui. C'est ça qu'on n'a pas oublié. Quoi. Oui, mais sauf que mourir pour l'art, c'est complètement con. Vivre pour l'art est une chose sensée, mais mourir pour l'art est une chose idiote. Donc c'est dans ce sens-là où on est quand même... tous les déficits de la nouvelle vague, quelque part, on n'a pas réussi à rentrer dans la vie avec nos films. Quoi. On est rentré dans l'histoire du cinéma, mais pas dans la vie. Comme dans la vie, tu veux dire, dans la vie dans la vie de la cité, oui. Dans la vie de la cité, c'est-à-dire que les films créent un événement, fassent du bruit autour de leur sortie. Voilà, voilà. Parce que cassent la baraque. Voilà, parce que c'est juste pour empiler des chefs-d'œuvre et pour que la culture, petit à petit, ait de nouveaux secteurs à découvrir. Comme disait un titre d'un film de Jean-Pierre Lefebvre, il ne faut pas mourir pour ça. Hein. Il ne faut pas mourir pour ça. Oui, il ne faut pas mourir pour ça. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Mais toi qui dis ça, tu vis pour ça, tu as toujours vécu pour ça, parce que tu as commencé à tourner à l'âge de 14-15 ans. Ah oui, non, mais je disais pas ça parce que j'étais, moi, désespéré ou quoi que ce soit. Je dis ni pour essayer d'attrister l'après-midi, je disais ça juste parce que ça me préoccupe pas mal. Cette histoire de fabricants d'art comme ça qui appartiendrait pas à la vie de la cité Jacques, qui voudra intervenir. Juste savoir parce que c'est très intéressant. Mais tu penses que c'est à cause de la distribution, que c'est à cause du format de tes films, que c'est à cause non en fait nous on a été quand même dans un format avec Zanzibar, je parle de Zanzibar. 35 mm, etc., mais pas exploité d'une façon de la même chose que la nouvelle vague. Donc c'est ça aussi, peut-être, qui pêche quelque part. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Pourquoi il y a ce creux comme ça? Et qu'on n'a pas continué avec la nouvelle vague sur une lancée qui, finalement, même si c'est nos pères ou ton père, enfin, tu vois? Peut-être parce qu'à un moment, il y a eu une remise en question. De l'art lui-même, quand les situationnistes ont dit dans les années 66-67, l'art est mort, à la fois c'était faux parce que l'art, je pense qu'il n'y a pas la civilisation, pourrait pas, s'il n'y avait pas l'art, on étoufferait complètement. Donc à la fois c'est faux au sens pratique, et en même temps on voit très très bien ce que dénonçaient les situationnistes quand ils disaient l'art est mort, c'est-à-dire ils voulaient dire le fictif est mort. Et la représentation de la vie, la fausse vie, c'est ce que je pense qu'il voulait définir. Mais... Donc il y a peut-être le fait, la remise en question de la génération qui a après la guerre, de tous les fondements comme ça, moraux, pour le coup, sur lesquels s'établit la société. Et... parce que même quand les spécialistes ont dit l'art est mort, moi je pensais bien non, c'est impossible. Et en même temps, je voyais ce qu'ils voulaient dire. C'est-à-dire quelque chose la mystification est morte. Parce qu'il y a à l'intérieur de la culture, il y a une mystification énorme quand même. C'est-à-dire, sauf que l'art, c'est quand même peut-être plus compliqué que ça. Parce que c'est, je pense, quand vous voyez, par exemple, quand vous voyez mes films ces jours-ci, je pense que la moitié du travail, c'est moi qui l'ai fait, mais l'autre moitié du travail, c'est vous qui le faites. C'est-à-dire, si vous faisiez pas, si vous n'étiez pas d'accord pour faire ce travail, soit d'identification, soit de compréhension des choses dont je parle, je pense que ça ne pourrait pas se produire. Je pense que dans l'art, à un moment, on élit tel artiste comme étant dans ces artistes de chevet, et après...
c'est qu'on lui accorde le droit de parler de notre propre vie. Oui, oui, absolument. Mais ça, c'est son travail à soi. Et donc, il y a un travail qui est beaucoup plus dialectique entre celui qui comprend et celui qui émet un sens. Il y a quelque chose de beaucoup plus dialectique que ce qu'on entend par le mot culture de nos jours. On appelle bon. Non, mais c'est presque. Non, mais en vrai, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tu me demandais, sais-tu pourquoi la Troisième Guerre mondiale n'a pas encore éclaté? Je te dirais, je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est coup de bol, c'est tout, quoi. C'est un coup de bol. Ouais. Mais c'est peut-être ce que tu disais, c'est peut-être par ça qu'il aurait fallu commencer et dire justement, parce qu'on voit que là, les gens qui nous écoutent sont très très jeunes, et c'est magnifique. C'est que précisément, quand on découvre l'œuvre de Philippe, en tout cas ça a été mon cas, elle nous apprend à vivre. Et ça règle d'une certaine manière tout ce par quoi on vient de commencer, c'est-à-dire la question du suicide. Moi, tes films m'ont appris à vivre, m'ont tenu en vie, m'ont aidé et m'aident encore à vivre. Et m'apprennent à vivre, c'est-à-dire m'ont aussi appris à aimer, à avoir des ruptures, à continuer à aimer, à recommencer à aimer, à apprendre à me souvenir de moments amoureux, apprendre à recevoir la sensualité aussi. Et c'est ça que j'ai envie, moi, de dire à des gens très très jeunes, c'est que c'est un cinéma qui est avant tout l'un des plus sensuels que je connaisse, ton cinéma, quoi. Normalement, en tout cas, l'art devrait être rangé dans, au contraire, les choses qui peuvent redonner un élan vital, comme disaient les grands-parents, là, c'était une expression de l'élan vital. Normalement, ça doit empêcher les gens de se suicider, normalement. Pourquoi moi j'aimais les films de Godard, c'est que quand je voyais, quand j'étais adolescent, un film de Godard, quand je sortais de la salle, si j'étais rentré avec l'idée de mourir, pourquoi pas, je sortais au contraire en pensant, ah non, vivre et faire de l'art, c'est tellement plus extraordinaire. Ça te donne envie de faire des films. Oui, je pense de vivre et de faire des films, voilà, qui sont deux choses différentes et alliées. Voilà. Quoi, ouais. Voilà. Et normalement, on est tous d'accord. L'art devrait avoir des... c'est pour ça que je critique le cinéma hollywoodien énormément. C'est que je me suis aperçu que si vous sortez d'un film, par exemple, de la Nouvelle Vague, par exemple, si vous sortez d'un film de François Truffaut, quelque part, quand vous sortez du cinéma, vous êtes... soit un homme ou une femme seule, soit un homme qui aime quelqu'un d'autre, ou une femme qui aime quelqu'un d'autre, mais vous êtes un être humain. Et quand vous sortez d'un film américain, même un grand film américain, vous êtes une petite fourmi qui rentre chez elle. Et donc il y a une dimension dans ce cinéma qui a été celui de la Nouvelle Vague, ou de plein de cinémas dans beaucoup de pays du monde, par rapport au cinéaste hollywoodien, c'est un cinéma qui est fait à hauteur d'homme et qui normalement devrait avoir des vertus, justement. Moi j'avais essayé de faire un film, c'est pas comme la question du suicide, mais comme on disait, un film il devrait servir au moins à différer un suicide chez quelqu'un, une œuvre d'art ou un tableau. J'avais essayé de faire un film pour donner espoir à des gens qui étaient des toxicomanes de drogue dure, de l'héroïne, etc. Et c'est un film qui s'appelle Sauvage Innocence, et je n'y suis pas arrivé, puisque c'est impossible, parce que quand on est un toxicomane, on n'a pas de quoi se payer une place de cinéma, parce qu'on dépense tout pour sa drogue. Alors donc, mais je voulais donner à ces gens l'idée qu'ils pouvaient en sortir, par exemple. Parce que j'avais trouvé que dans la société, il n'y avait pas beaucoup, si quelqu'un... tout d'un coup tombait dans un piège de toxicomanie très grave, je trouvais qu'il n'y avait pas de signe, de repère pour dire non, si tu veux sortir, tu prends juste par là, puis tu es sorti. Donc j'avais fait un film là-dessus, mais c'est Sauvage Innocence. Mais je vois bien que ça ne marche pas, c'est impossible. On ne peut pas, quelque part, donner de l'espoir à un toxicomane d'en sortir par un film, quoi. Sur la toxicomanie. Et donc, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Bah, peut-être c'est pareil pour le suicide. C'est-à-dire qu'on peut pas. Pourquoi pas ? On peut pas donner à l'idée à quelqu'un de continuer à vivre parce que les choses s'arrangeront peut-être. Quand il est désespéré, peut-être qu'une œuvre d'art
c'est pas assez d'affaires. C'est possible. Donc, mais tout ça est dialectique. L'art, c'est à la fois inutile et utile, à la fois. C'est le camp des gens les mieux du monde, comme ça, ça peut être le camp des pires individus qui soient. L'art est une chose qui n'a pas de comparaison avec. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est quelque chose qui n'est pas. Qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce que maintenant tu comprends un peu mieux en regardant en arrière ce qui t'a poussé de façon, enfin, comme une nécessité, ce qui t'a poussé à faire des films si tôt, à l'âge de 14-15 ans, puisque je crois que tu es le seul cas au monde. Non, mais maintenant il y en a beaucoup. Des petits Rimbaud du cinéma, il y en a tous les 5 ans. Ah ouais? Mais ils ont 25 ans. Tu avais 10 ans de moins, tu avais l'âge où on... Non, avec le numérique, mais c'est parce que tu as pas l'imagination, Philippe, tu te rends compte. Des jeunes gens qui ont fait des longs métrages et qui ont 15 ans, mais on doit en compter plusieurs milliers sur la face du globe. Aujourd'hui, admettons, mais en 1964-65. Eh bien, c'était justement l'idée que puisque ça n'avait pas été fait, comme c'est ça qui est compliqué en art, c'est de se faire remarquer, c'est pas pour faire le malin, c'est pour pouvoir gagner sa vie. Donc, c'est pouvoir se faire remarquer au-dessus de la mêlée. Comme il n'y avait jamais eu de cinéaste plus jeune que, je crois, 21 ou 23 ans, oui, je m'étais dit que si je faisais mon premier long métrage à 19 ans, ben, les gens remarqueraient. Sauf que ce que ça a ajouté au film. Oui, mais sauf que ce que ça a donné, c'est que c'était les gens qui ont remarqué ça, c'était un journal d'extrême droite qui s'appelait Minute et qui a écrit le plus jeune cinéaste du monde est français. Ils ont souligné français. Ah oui, comme un grand truc nationaliste. Oui. Non, en vrai, c'était pour mais Chantal aussi, elle a fait son premier. À 18 ans et tout. C'était aussi par rapport à la nouvelle vague, le fait de dire c'est possible. Oui, non, mais ça sera forcément différent parce que si un enfant, par exemple, qui est vierge, fait un film, il fera un film complètement différent de quelqu'un qui a l'expérience de l'amour, je veux dire. Alors donc, déjà, de situer tout de suite après le passage dans l'âge adulte, quasiment en descendant du lit, il n'y avait pas de trace par là de pensée masculine ou féminine. Donc c'est ce qui fait que Chantal s'est fait remarquer, je me suis fait remarquer. Mais tu vois par ça la très très grande valeur qu'ont aussi ces films, Saute ma ville, qui est le premier film de Chantal quand elle avait 18 ans, tes premiers films, c'est que la jeunesse, qui est aujourd'hui le sujet majeur de tout le cinéma, à commencer par le cinéma américain dont tu parlais, qui est vraiment, enfin, les jeunes gens sont au centre de tout le cinéma, mais sont filmés par des gens qui ont, on va dire, à partir de 30 ans, voire plus vieux. Et tes films, et ceux de Chantal Ackerman au milieu des années 60, ou à la fin des années 60, étaient les premiers à donner un compte-rendu. Quelqu'un qui avait 15 ans filmait des gens de 15 ans. Quelqu'un qui a 18 ans filme les désirs, les rêves, la colère, l'énergie, la sexualité de quelqu'un qui a 18 ans. Et c'est génial, parce qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de... Et c'est ce qui a d'abord rendu... C'est la première chose qui a rendu vos œuvres à ce point unique. Ben oui, non, c'était pour justement, c'était pour créer. C'est ce qu'il faut essayer de faire en art, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas déjà été fait, mais au sens réel, pas au sens juste, pas seulement le style comme dirait l'autre, mais aussi de quoi on parle. Alors, si en faisant du cinéma adolescent, on était dans le direct. Voilà, mais là où je pense que tu as tort en vrai, c'est que je pense que de nos jours, le cinéma adolescent, ça doit exister, oui, avec du numérique, mais ça doit être... C'est-à-dire que... J'entends bien. Le problème aujourd'hui d'un adolescent, c'est pas de faire du cinéma jeune, c'est de se faire remarquer parmi les millions de jeunes. Les centaines de milliers de jeunes qui tournent des films avec des petites caméras. Ce qui est très bien, mais c'est les problèmes... dans les années 50, c'était le problème qu'avait quelqu'un qui se livrait à la peinture. Je crois qu'il y avait à l'époque 35 000 peintres en France, si on compte les peintres du dimanche, mais les peintres du dimanche, c'est aussi des peintres. Hein, parce que... Et donc 35 000 peintres, comment au milieu de 35 000, c'est une question de probabilité, comment se faire remarquer au milieu de 35 000 personnes, c'est très compliqué. Quoi. Alors,
le problème d'un jeune homme, ceux qui sont étudiants en cinéma de nos jours, c'est ça, c'est comment faire. À la fois c'est génial le fait qu'on puisse faire des films avec très peu d'argent et des petites caméras, mais comment faire pour que les gens comprennent que ce à quoi on s'attaque est une chose qui n'a pas déjà été dite ou faite, quoi. J'aimerais profiter du fait que Jackie et Gérard soient là aussi pour nous, justement, puisque vous êtes de la génération qui a découvert, l'un comme l'autre, les 10 premières années de Philippe avec ce cinéma donc, unique. Comment justement ces films, comment ces œuvres de jeunesse, ce geste qui criait à la fois toute la colère et tous les désirs d'une génération, qui est celle qui va faire 68 ou qui a fait 68 après, bah comment ces films étaient reçus, comment vous les receviez, vous, intimement? On va commencer par Gérard après, puis... Oui. Ou Jacques. Allez, en fait, honneur aux femmes. Tu prends celui-là? Oui. Non, enfin, moi j'avais une petite performance à faire pour toi, Philippe. Alors je garde le micro. Voilà. Mesdames et messieurs. Jacques Rénal. Bonsoir. Voilà, c'est pour toi. Ah. D'abord, c'est moi. C'est. Tu m'as donné à faire un petit travail sur. Pendant le tournage de. La concentration. Donc, j'ai préparé pour toi. Faut que je me baisse parce que c'est difficile. C'est un peu comme du montage, tu vois. Alors, c'est comme ça. C'est quelque chose que j'ai tricoté. C'est pas du montage, c'est du tricot. Et puis, j'ai écrit quelque chose pour toi. Voilà. C'est la déclaration d'indépendance. Bon, tu vas me tenir le micro, j'en fais ce que tu veux. Je fais ce que tu veux, Jacques. Souvenir du temps où l'on s'aimait. Alors, excusez-moi, je suis un peu émotionnellement prise par tout ce qui nous arrive. Et merci beaucoup à Madame la conservatrice. Je vais là-bas. Ah, d'accord. Gérard recadre. Donc, souvenir du temps où on s'aimait. C'est là? Je vais m'asseoir là en ce moment. C'est un peu long, hein. Non, non, on a le temps, hein, tu sais. On a... C'est une nuit, t'en fais pas, c'est une longue après-midi. Voilà, j'ai écrit ça cette nuit. Je suis contente parce que, en fait, on sait pas très bien comment te prendre. Mais, cher Garel, ou plutôt, cher Philippe, je veux te remercier par cette lettre que je t'adresse. De quelques petites choses que je sais, deux ou trois choses que je sais de toi. Bon, revenons aux années 68. Mais avant, pendant que je t'ai connu dans le petit studio d'Olivier Mosset, au 36 rue de l'Échaudé, Paris 6e. La vision que j'avais est que tu as changé parce que tu étais comme une comète. Pour moi qui travaillais comme chef monteuse, de nombreux réalisateurs de la Nouvelle Vague. Et toi, je veux dire plus tard, tu constituas notre bande. C'était une bande d'amis et de gens, et on a fondé Zanzibar. Je veux dire, c'était Serge Barre, Margaret Clémenti, Sylvina Boissonnas, Patrick Deval, Étienne O'Leary et moi-même. Et nous regardions des films en Super 8. Ça va, Philippe? Oui, j'y crois. Réalisé par Olivier Mosset, qui revenait de New York et qui avait filmé La Factory d'Andy Warhol. Moi, j'avais terminé à ce moment-là le montage de La Collectionneuse, le film de Eric Rohmer, qui en fait est un film très, très porteur, c'était en 67, justement de la fin de la Nouvelle Vague, mais le début de quelque chose d'autre avec Daniel, qui disait lui-même ses dialogues, qui a fait tous ses dialogues, etc. Waouh, j'étais vraiment au top.
C'est-à-dire aussi, j'étais la plus jeune chef monteuse de France. Vous avez dit le plus jeune réalisateur et la plus jeune réalisatrice de France, ayant fait couler beaucoup d'encre sur les événements, les mœurs et dire du moment, et Daniel et Patrick vis-à-vis d'une femme, blablabla, blablabla. Puis je fus la monteuse du premier film de notre petit groupe, les films Zanzibar. Tu crois qu'on enchaîne sur le clip ? Non, on continue. Et donc, mais là tu es debout, là, ça va. Et donc, ah oui, et toi tu savais tout du ce qu'on appelle, puis tu vas m'aider, c'est le stock. C'est-à-dire que tu connaissais tout de la pellicule celluloïde, et qui était de la Kodak inversible. Pour les films de Super 8, n'est-ce pas? Excuse-moi, c'est Perchman maintenant, un peu plus haut. Non. Alors, donc j'ai monté le premier film qui s'appelait Détruisez-vous, de la production Zanzibar. Et Philippe, toi, tu avais 20 ans, et tu étais pour nous. Quelqu'un qui était notre chef, bon ça c'est sûr, c'était le plus jeune du groupe, mais ce qui frappait tout le monde, c'est que dans tes films, et toi aussi, tu t'habillais toujours avec une grande élégance. Et pourtant tu n'avais pas du tout d'argent, bref, tu étais doué pour tout, le cinéma, le métier de le faire, tu savais filmer, cadrer, tu connaissais toutes les techniques, du développement, de l'image, du son, et moi qui m'avais fascinée, car tu disais que ton grand-père avait découvert que c'était lui qui avait inventé le paratonnerre, ce petit bout de fer que l'on met sur les maisons pour éviter la foudre. En parlant de foudre, cela me fait penser à une chose, je parle de foudre, et c'est pas pour rien, car tu étais aussi toi-même foudroyant. Foudroyant auprès des femmes. Tu étais la coqueluche de toutes ces dames. Et tu les avais. Tu avais toutes les femmes que tu voulais et tu ne les voulais pas forcément. À l'époque, il n'y avait pas cette terrible maladie qui est le sida. Tout le monde couchait avec tout le monde. Pourquoi pas ? C'était la sex-libération. Et à l'époque, le love and flower fleurissait partout. Qui venait de San Francisco, excusez-moi, encore les Américains. Oh là là ! Bien. Sylvina, Olivier Mosset, il n'y avait d'ailleurs que des belles personnes, amoureux, amoureuses, des beaux habits que tu portais, des belles formes. Et qui venait de Londres, bien sûr. Et nous aimions tous les habits de Londres et les Rolling Stones. Zouzou était ton égérie. Et ton souci de conquête, il y en avait bien d'autres, qui se jetaient à tes pieds, enfin, bien, bref. Et, etc., etc. Anecdote. Ah, anecdote. Ah oui, c'est ça, en 67, je l'ai déjà dit, la collectionneuse. Donc je ne sais plus si en mai 68, tu décidas que tous les acteurs... Ah oui, ça c'était pour la concentration, excusez-moi. Ça va, Pi? Oui. C'est un film, hélas, que vous allez pas voir. Ah, quel dommage. Je vais vous le raconter brièvement. Je peux me permettre? La concentration, vous voulez dire? Oui. Vas-y. Merci. Ah oui. Tu décidas que tous les acteurs, les prochains, Zouzou et Jean-Pierre Léo, tu avais déjà travaillé avec beaucoup d'autres acteurs, qu'on allait tous, d'ailleurs tes amis, prendre du LSD, qui à l'époque était très, très en vogue, parce qu'il n'était pas trafiqué. Trafiqué, pas du tout. On alla au studio de Dovidis, et tu tournas en une nuit, la concentration. Ce film sur lequel nous te vîmes tourner, et c'était un set, une métaphore pour moi, hein, de camp de concentration. Mais tu étais d'une joie, tu étais d'une grande, comment dire ça,
c'était d'une grande simplicité, en fait. Tu chuchotais aux acteurs, comme ça, dans leur oreille, mais par un microphone qui portait à leurs oreilles les acteurs. Tu chuchotais les dialogues. Donc c'était comme un film un peu à la Andy Warhol, c'est-à-dire c'était un film Polaroid. Si tu es fatigué, tu me le dis. Non ! J'ai un homme. Oh là là. Bon, bref. Et Jean-Pierre, alors ce qui était extraordinaire, c'est qu'il avait habillé ses acteurs, tenez-vous bien, même pas un enfant, même pas un adolescent, il avait habillé ses acteurs en bébé avec des barboteuses. Et nous, on était sidérés, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est pas possible. Oui, ils portaient des barboteuses. Ils se mouvaient et jouaient leur rôle d'un couple ou d'enfant désaccordé, je ne sais. Bien. Bien sûr, il n'y avait pas de script et tu avais planté au beau milieu du studio des rails. Et comme le dit Azouri, dans son image, son ouvrage remarquable, à Werner Schroeter, qui n'avait pas peur de la mort, aux éditions Capricci, à l'image du garçon dansant, pop, mais sur un air d'opéra, tout est confondu, les époques, les sexes, dans ton cas, avec la concentration, où les deux acteurs sont habillés en barboteuse, en tenue de bébé, donc ils n'ont pas forcément de sexe, mais vraiment comme des anges. Ce sont des divas aussi, des dieux, des putains, de la musique, il y avait des trucs appuyés, des tubes mélos de l'Allemagne des années 50. Non, ça c'est après, c'est avec Nico. Et le sacré de la consommation. Bien, eh bien, c'est toi et toi, ton intimité, spontanéité, sans découpage, ni scénario. Et ensuite, enchaîner avec le révélateur. Voilà. Est-ce que vous avez... Merci Jackie. Et ça, tu l'as tricoté pendant que je tournais. Voilà, non, hein? J'ai tricoté. Depuis. Ah oui. Mais c'est pas. Ah oui, je tenais les collures aussi. De ton film, la concentration. Voilà. Mais en fait, non, ce qui est intéressant, il y a des choses qui sont vraies dans ce que Jackie a raconté, mais ce qui est intéressant surtout, c'est cette histoire de cinéma sans scénario. Parce qu'en fait, tous les premiers films que j'ai faits jusqu'à 78, je les ai tournés sans scénario. Mais je n'étais pas le seul. Chantal, elle a tourné des films sans scénario elle, également. Et il y a plusieurs personnes qui ont tourné des films sans scénario. Et ça, c'était complètement nouveau dans le cinéma. Et en fait... C'est parce que ça venait d'un malentendu. Comme j'étais disciple de Godard, je croyais que Godard tournait sans scénario. Oui, on nous l'avait toujours dit. Et en fait, Godard ne tournait pas sans scénario, simplement son scénario était sur un cahier et qu'il ne distribuait pas aux acteurs, mais il partait avec une histoire. Il ne partait pas pour écrire directement avec la caméra une histoire en sachant... que ce qu'il allait tourner dans la journée, mais en sachant pas ce qu'il tournerait le lendemain. Et donc, comme il y a plusieurs jeunes gens qui ont fait ce malentendu, il s'est retrouvé qu'il y a plusieurs cinéastes qui tournaient sans scénario. Et en fait, ça a été abandonné depuis, parce que ça donnait un cinéma qui était très particulier. Et encore qu'il y a quelqu'un qui vient de tourner sans scénario, le dernier film de Malick, là, qui s'appelle Knives of Cup, a été tourné sans scénario, qui n'est pas un film extraordinaire, mais quand même... À l'intérieur de l'industrie On voit qu'il a tourné sans scénario, ça donne un cinéma qui est différent, quand même. C'est assez intéressant. C'est moins intéressant que Mia Madre de Moretti, ou des films comme ça, magnifiques, mais c'est... Et cette idée de, à un moment, de tourner directement avec la caméra, qui a été complètement abandonnée, parce que maintenant, le scénario, c'est ce qui sert à la production, au financement de tout le cinéma d'auteur, et sélectionné sur scénario. Mais le fait que ça soit, comme le cinéma est quand même quelque chose
qui relève de l'image. C'est pour ça, c'est à cause de ça, tu veux dire que on juge d'après les scénarios. Mais on a perdu quelque chose parce qu'il y avait à écrire directement un film avec la caméra. Il se passe quelque chose qui. Ouais, il se passait quelque chose qui n'avait pas encore existé dans le cinéma jusque-là. Et sinon, si tu dis. Elle parlait d'un film La Concentration que j'ai tourné. En fait, je suis resté plus longtemps que ça. Je suis resté 72 heures. 72 heures. Pas une seule nuit, mais trois. Mais d'affilée, sans interruption. Ouais, sans dormir. Sans aller dormir. Ouais, sans dormir. Et puis j'ai fait un long métrage comme ça avec une caméra 35 pixels là. Et de faire un film donc en 72 heures, ça n'avait pas existé encore. C'est un film expérimental. Et sinon, qu'est-ce que tu as dit encore où je pourrais non, ajouter chez lui, d'ailleurs. Donc, mon grand-père, il a pas inventé le paratonnerre, parce que paratonnerre, tu sais bien, c'est Jefferson qui a inventé, je crois, le paratonnerre. Il a inventé la grille de paratonnerre. C'est-à-dire qu'avant, un paratonnerre, quand il était sur le toit, ça grillait, la foudre tombait sur le paratonnerre au lieu de tomber sur les individus, mais ça brûlait la poutre maîtresse du toit. Il a inventé le fait qu'il fallait faire descendre l'électricité avec un câble dans la terre, le souder à une grille enterrée sous la terre pour que ça se divise, que l'électricité se divise par la grille, et de manière à ce que ça soit et ça se répande dans le sol et que ça ne détruise rien. Il a inventé pour le fait d'annihiler la puissance de la foudre qui, dans le temps, faisait brûler une partie du toit. Et sinon, l'autre chose, tu disais tourner sous LSD, c'est comme MGTM, ils ont bien fait, je pense, des disques sous ecstasy, ou je sais pas, ce que je conseille à personne, parce que c'est dangereux, mais je crois que c'est une chose qui se perpétue d'une autre manière aujourd'hui. Je voudrais que tu reviennes sur quelque chose. Jackie, en parlant de Zanzibar, donc qui est à la fois, je sais pas comment définir, si c'était un label, un collectif, Jackie a employé un mot qui est peut-être le plus juste, elle a dit c'est une bande, on était une bande d'amis. Et j'aimerais justement j'aimerais que tu reviennes là-dessus, parce que tu es assez peu revenu là-dessus, savoir est-ce que justement c'était. Est-ce que les films des uns dialoguaient avec les films des autres, ou alors c'est une bande d'amis qui sortait, qui avait ces lieux de rendez-vous, qui se voyaient, et qui aussi faisaient des films chacun dans leur coin. J'ai jamais trop su comment définir. Mais on peut passer le clip tout à l'heure, peut-être. D'abord Philippe, et on passera le clip. Comment toi, rétrospectivement, comment tu la vois, cette période Zanzibar, qui est très courte, mais qui est très productive? Non, je pense que c'est plus... mai 68 a été déclenché par des étudiants, des groupes d'étudiants, qui étaient à Nanterre, en sociologie, ou dans différentes universités. Et ils ont commencé mai 68 sur un prétexte sexuel, c'est parce qu'à la cité universitaire, le bâtiment, les garçons avaient quitté le bâtiment, maintenant vous êtes tous en classe mixte, mais ça c'est assez récent les classes mixtes. Les garçons avaient quitté le bâtiment des hommes et étaient allés dans le bâtiment des filles. Le directeur de la cité universitaire avait fait intervenir les autorités. Là-dessus, les étudiants se sont mis à contester leurs professeurs. C'est-à-dire que pendant que les professeurs donnaient leurs cours, un étudiant se levait en disant « Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que tu en sais ?» etc. « Tu parles de l'histoire de telle époque, mais tu ne sais pas plus que nous. » Tu dis peut-être des choses qui n'ont pas de sens et quel est le fondé de ton autorité. Et partant de ces contestations-là, il se trouve que des directeurs d'université ont appelé, pareil, les autorités par rapport à la contestation. Et là-dessus, les étudiants
ont commencé à manifester et certains d'entre eux ont été arrêtés. Et à ce moment-là, puisqu'il y en avait qui étaient arrêtés, le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur parce qu'il y avait des jeunes gens innocents qui avaient été arrêtés juste parce qu'ils contestaient l'ordre moral. Et il y avait des gens qui avaient le même âge que les étudiants dont j'étais, on était beaucoup, on était plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers, qui étaient déjà hors des études, et qui avaient, moi j'ai lâché les études, j'avais 14 ans, je crois. Je suis plus allé au lycée, ça ne m'intéressait pas. Mais il faut dire qu'à l'époque, on pouvait très bien réussir à attraper un métier, comme il n'y avait pas, on n'était pas dans la crise économique et qu'il n'y a pas de chômage, on pouvait très bien réussir à attraper un métier d'une manière autodidacte, sans faire d'études. Donc, beaucoup de jeunes gens étaient sortis d'université pour devenir artistes. Et ce groupe qui faisait 300 personnes, 3000 personnes, peut-être plus 3000 que 300, s'est joint la nuit aux étudiants pour faire les manifestations de nuit et les barricades et tout ce qu'on sait de mai 68. Et après, mai 68 a échoué. Ça s'est comme fini. Comme révolution. La fermeture de la cinémathèque. Voilà. Mais 68, il a échoué comme voilà. Révolution. Et à ce moment-là, derrière 68, il se trouvait qu'il y avait une fille de milliardaire qui était descendue dans la rue et qui était gauchiste. Qui était une fille de milliardaire, comme je ne sais pas si. On ne peut pas dire ici. Un enfant de je sais pas qui Samsung, Nokia. Et imaginez qu'un héritier Nokia, dans des insurrections, descende dans la rue et devienne gauchiste. Après, il n'allait pas rejoindre le pouvoir une fois que l'insurrection était terminée. Et donc, il y a eu une fille qui s'appelait Sylvina Boissonnas, qui était une fille de milliardaire, et qui était descendue dans la rue, qu'on voit d'ailleurs dans des documents, dans la rue, avec tous les des étudiants donc et des artistes qui étaient... Elle avait ton âge. Voilà, et cette fille, quand mai 68 a échoué, elle a décidé de financer des artistes comme mécène. C'est-à-dire, elle a financé, elle parlait d'un peintre tout à l'heure qui s'appelle Olivier Mosset, elle a financé Serge Barre, elle a financé Jackie, elle a financé... Daniel Pomerol, Patrick Deban, etc., pour faire des films ou des tableaux, etc. Et tout. Et parce qu'elle était très riche, elle a pu en fait financer des films qui étaient industriellement à l'égal des films qui sont produits par l'industrie française. Et donc ce mouvement-là, tu me demandais, qu'est-ce que c'est que ce mouvement que Zanzibar. Ben, c'est un groupuscule qui vient de la défaite de 68 et qui, comme c'est des gens qui sont des artistes, se reste à se côtoyer et à fabriquer des œuvres d'art tout de suite après 68 parce que le mouvement est chaud. Il y avait la musique aussi qu'elle sponsorisait, les Grouilles Marteau, Jean-Pierre Calfon, c'est ça qui était formidable. Mais il y a une chose que ça me fait penser à. Parce que après, on. Maintenant, il est de bon ton de dire que mai 68, c'était un caprice, que c'était irréalisable, que c'est, etc. et tout. Mais je relisais des choses de Baudelaire qu'il a écrites, parce que Baudelaire, il est descendu dans la rue en 1848, quand il y a eu, pareil, une insurrection en France en 1848, Charles Baudelaire. Et pareil, quand il tenait des discours révolutionnaires, et en même temps, après, il a dit... Oui, mais de toute façon, c'est vrai qu'on demandait l'impossible, etc. Et tout. Donc le fait que les mouvements révolutionnaires s'appuient sur quelque chose qui est complètement utopique, c'est pas du tout nouveau et c'est pas propre à 68, c'est propre à toutes les révolutions, je pense, même celles qui réussissent, parce qu'après, ça se développe d'une autre manière. Bon, voilà. Donc, ça, c'était une digression. Mais pour répondre plus exactement à ma question, est-ce que tu avais le sentiment de... que Zanzibar c'était un collectif, de participer à un collectif, ou c'est ton aventure artistique individuelle, c'est une cellule plutôt, c'est une bande de gens qui travaillent dans la... C'était pas un collectif, hein. Ouais, voilà. Non, c'est pas un collectif, non, c'était un,
Chacun poursuivait son œuvre, sa propre recherche. Un groupe d'artistes. Ouais, un groupe d'artistes. Comme... En lançant Jackie sur sa performance, on a coupé un peu l'herbe sous le pied de Gérard Courant. Mais puisque tu es là, je te tiens. J'aimerais bien que toi, Gérard, qui a accompagné beaucoup le cinéma de Philippe dans les années 70, l'a montré, a beaucoup voyagé avec les films, débattu avec Philippe, j'aimerais que tu reviennes, que tu nous donnes ta vision de cette période qui a justement commencé avec tes premiers longs métrages, Marie pour mémoire, La Concentration, Le Révélateur, Le Lit de la Vierge, et puis ensuite toute cette période des années 70 qu'on a pu appeler Immobile, Erratique, La Cicatrice Intérieure, Les Hautes Solitudes, qui sont des films qui passent ici. J'aimerais que Gérard revienne sur cette période-là, sur la période des années 70. Alors déjà, il faudrait préciser que, à l'époque, la France était divisée en deux. Il y avait deux, la France, il y avait Paris, d'une part, et puis le reste de la France, la province, c'était deux mondes complètement séparés, très séparés. Et le grand changement, c'est dans les années, avec les années 1980, quand a été créé le train à grande vitesse en France, où toutes les grandes villes ont été reliées en quelques heures, ça a changé complètement la France. Mais par exemple, en 1968, moi j'habitais en province, j'habitais à Dijon, qui était à 320 km de Paris, donc c'est pas très loin, mais c'était réellement un autre monde. C'était l'autre, le bout du monde. Totalement un autre monde. Et on ne peut pas l'imaginer aujourd'hui, c'est impossible. Et donc, j'étais un cinéphile qui était... excentré, et j'habitais dans une ville où c'était absolument impossible de voir les films de Philippe Garrel, mais aussi les films d'autres metteurs en scène comme Marguerite Duras ou je sais pas, Werner Schroeter. Ça n'arrivait pas là, c'était impossible, c'était deux mondes différents. Et je lisais les revues de cinéma, et j'ai commencé vers 68-69 à fantasmer sur à voir. À lire des textes sur Philippe Garrel. Et souvent, c'était soit des textes très dithyrambiques, ou soit c'était des textes qui disaient « c'est pas du cinéma », mais la façon dont les critiques de cinéma en parlaient donnait vraiment très très envie de découvrir ces films. Et plus les gens disaient du mal des films de Philippe, plus t'avais envie de les voir. Oui, parce qu'à chaque fois, ils se posaient toujours par rapport à un cinéma dominant. Et donc, le cinéma donc, de Philippe Garrel, pour eux, c'était quelque chose de complètement étranger. Ça venait de la planète Mars. Et même s'il disait qu'il y a des... Même s'il s'y intéressait, on voyait qu'il était complètement étranger à ce cinéma-là. Et donc, habitant à Dijon, c'était impossible de voir ces films. J'ai décidé de venir à Paris et j'ai commencé... à voir les films de Philippe. Et donc, évidemment, ça a été pour moi un choc, comme j'avais eu un choc dans les années 60 en voyant les films de Godard. Donc j'ai découvert les films de Philippe Garrel au moment où Godard était dans un trou d'air terrible. Ça a été le pire moment de son travail de cinéaste. C'est les années post-68, les années du groupe Vertov. C'est l'époque où il était dans une impasse terrible. Et en fait, à la place de Godard, il y avait Garrel. Alors... Oh, mais d'ailleurs, Godard l'a dit. Hein. Moi, je me souviens, j'étais là. Godard a dit, quand il sortait du labo de LTC, en plein mai 68, il a dit, Garrel film, je peux m'arrêter. Garrel film, je peux m'arrêter. Ça, c'est vrai, oui. Alors, il y avait aussi quelque chose de très fort avec Philippe, c'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'était sa jeunesse. C'est-à-dire que c'est vrai, les cinéastes qui faisaient des films à ce moment-là, dans les années 60, bah, par exemple, La Nouvelle Vague, ils ont commencé, ils avaient 28-29 ans, ouais. Romer, il avait presque 40 ans pour son premier long-métrage. Donc d'un seul coup, on avait quelqu'un qui avait vraiment notre âge et qui faisait des films. Ça nous paraissait mais tellement extraordinaire. Et je me souviens, moi j'avais 18-19 ans, j'avais envie de faire des films, et je me dis, mais peut-être c'est trop tard maintenant, je suis trop vieux pour faire des films.
Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que pendant un certain temps, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut le coup de commencer à faire des films maintenant? Est-ce que j'ai pas trop de retard, quoi? Et j'ai commencé à faire des films dans mon coin, mais de façon complètement étrangère à tout, enfin, des films que je ne montrais pas. À la marge. Oui, complètement. Et les films de Philippe, donc, ils tournaient beaucoup à l'époque. C'est-à-dire que tu alignais film sur film, chaque année, il y avait un nouveau film. Trois films par an, Philippe. Dans les années 60, 60, fin des années 60, début des années 70, trois films par an. Ouais, deux films par an. Et à chaque fois, c'était un film révolutionnaire. C'était un film qui cassait complètement le cinéma qui existait, qui cassait aussi les avant-gardes qui existaient. Il existait l'underground américain. Et ben Philippe, lui, il cassait ça aussi. Tu cassais tout, quoi, tout le cinéma. Et même si tu avais des liens forts avec peut-être la Nouvelle Vague, tu cassais aussi complètement la Nouvelle Vague. On passait de l'autre côté du miroir, on était dans un autre cinéma, et nous, on fantasmait sur une autre. On était complètement utopistes, on fantasmait sur une nouvelle société, sur un nouveau monde, et toi, tu étais le représentant de cette utopie. Et donc, chaque fois qu'on voyait un film de Garrel, c'était à chaque fois une avancée, une sorte de coup de poing, et on se disait, mais la révolution va arriver, le monde va complètement changer. Et tu avais un renouvellement perpétuel, c'est-à-dire que tu n'as pas fait un film l'un à la suite de l'autre sur le même modèle. À chaque fois, tu cassais ton propre film précédent, à chaque fois, tu cassais ton modèle précédent pour faire quelque chose de nouveau. Et c'était un peu ce que faisait Godard dans les années 60. Chaque film de Godard, il cassait son film précédent et il se remettait toujours en question. Et la force des films de Philippe Garrel de cette époque entre 68 et je dirais le milieu des années 70, c'est qu'à chaque fois, il y avait un renouvellement total. C'est-à-dire qu'on se disait, mais le prochain film de Garrel, mais qu'est-ce que ça va être? Et même s'il y en avait qui étaient plus forts que d'autres, même ceux que, par exemple, il y en a que tu dis, oui, ils ne sont pas très réussis, pour nous, c'était des films très, très forts. Nous, on les prenait vraiment... c'était... Comme une date, comme un... Oui, il allait ailleurs aussi, il allait plein dans des pays étrangers. Et ça, c'était pas du tout... Oui, Jacky souligne un point qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup l'œuvre de Philippe comme un exemple à l'intérieur du cinéma français. On parlait d'Eustache, on parlait de Chantal Akerman, même si Chantal était belge. Mais le cinéma que tu as pratiqué dans les années 70, tu l'as fait dans un espèce de pays imaginaire. J'imagine que tu te vivais même plus du tout comme un cinéaste français. Tu tournais en Islande, tu tournais dans le désert américain, tu tournais à l'intérieur d'un appartement qui semblait hors du monde et hors du temps. De quel pays tu rêvais dans les années 70, Philippe? Le pays de Freud. Tout à l'heure, on a parlé de 68. Alors maintenant, c'est l'autre chose qui appartient au passé. Si, Jacky en a un peu parlé, mais qui n'est pas encore évalué à sa juste valeur comme 68, parce que quand même, on peut dire qu'il y a depuis une décennie à peu près, 68 commence à être quelque chose revestimé. Mais c'est par rapport au mouvement pacifiste hippie. De nos jours, c'est très très dénigré et comme si c'était des choses. Alors que le mouvement hippie, c'est un mouvement extraordinaire, c'est un mouvement pacifiste qui fait le tour du monde et qui dit non, puisqu'on peut concevoir qu'un jour sur la Terre il n'y ait plus jamais une guerre, il faut que maintenant ce soit ce jour qui advienne et qu'il n'y ait plus de guerre du tout. Ce qui s'est révélé impossible à l'époque où ça avait lieu, en 69, mais ce qui est totalement concevable et à l'époque, à partir du moment où une chose était concevable pour l'esprit et par l'esprit, eh ben on ne voyait pas pourquoi on ne faisait pas les choses qu'il fallait pour que ça advienne. Et de nos jours, on traite le hippisme comme si c'était des joyeux rêveurs, etc. et tout, mais c'était un mouvement, c'était une intelligentsia
Si on était dans, quelque part, dans l'intelligentsia de cette génération, on ne pouvait pas ne pas être hippie. Si on n'était pas hippie, c'est qu'on était près de ses pompes, c'est tout. C'est qu'on était quelqu'un qui était tellement aliéné par les critères de la société régnante qu'on ne pouvait pas concevoir que c'était important le fait qu'il y ait, que la paix mondiale existe un jour. Je pense que c'est pas possible que, comme c'est une évidence, je pense que c'est pas possible que ce mouvement soit pas un jour réévalué à sa juste valeur. Et peut-être que, puisque moi à l'époque je vivais avec Nico et tout ça et tout, et qu'elle était une hippie, ce que vous appelez quelque chose qui est universel, ou voyager, n'importe quoi, c'est cette chose-là que quelque part, qui est un mouvement qui a fait le tour du monde. Une grande internationale des hippies. Oui, non, du pacifisme. De l'idée du fait qu'il fallait mettre fin à toute guerre. De nos jours, on a, moi-même, pareil, on pense d'une manière qui est assez différente. On pense juste que c'est impossible, qu'il y a des guerres justes, qu'il y a, en tout cas, où il y a des moments où on doit forcément se défendre. Donc on est beaucoup plus... mais à l'époque, c'était comme un a priori, un peu comme... la suppression de la peine de mort dans différents pays, maintenant, on peut penser qu'un jour, tous les pays auront adopté la suppression de la peine de mort. Ça nous paraît évident, pour l'esprit humain, que la peine de mort, c'est quelque part la préhistoire. Et ben, simplement, ce qu'avait vu le mouvement hippie, c'était que la guerre, c'était encore la préhistoire. Et donc, peut-être, c'est l'influence de Nico, et sur... le fait comme... comme 68 n'avait pas marché, comme, d'aller voir un peu ailleurs. Ben, comme si on pourrait dire, pour se faire comprendre de nos jours, faites l'art et pas la guerre. On dirait faites l'art et pas la guerre. Et on pensait un peu comme ça, qu'il fallait mieux faire de l'art que faire la guerre, avec toute la violence qu'on a en nous-mêmes. On va voir, je crois, là, quelques... ancien compagnon de ces années hippies. C'est quelques clips. Je pense, voilà, c'est un montage d'interview que Jackie a organisé, donc Jackie en parlera mieux. Oui, c'est le bonus du DVD de Les Amants Réguliers. C'est des extraits de Zanzibar, ça s'appelle.